Et je vais vous dire juste un truc pour ceux qui pensent que c'est un peu trop tiré des attitudes, tout ça. Je vous invite à aller regarder sur Internet le nombre de présidents, que ce soit Sarkozy, que ce soit voilà, Sarkozy, Macron et plein d'autres, et à travers le monde, qui parlent de ce nouvel ordre mondial. Il y en a énormément. Et encore une fois, un président, on ne parle pas d'un journaliste, un complotiste ou autre, on parle d'un président. Quand Sarkozy nous disait en 2005, le nouvel ordre mondial est là et personne ne pourra s'y opposer. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous pourrez revoir ce qu'il a dit, que vous allez voir que ce n'est pas des bêtises. Les gars, il faut s'y préparer. L'agenda, c'est 2030. Là, nous sommes en 2024. Macron finit son mandat, enfin, si tout se passe bien, on va dire. 2027. Voilà. Ça veut dire, dites-vous que de 2027 à 2030, il reste peu de choses. En France, actuellement, à Paris, on est déjà dans le truc de. Il y a déjà des gens, moi je le vois à travers les vidéos que je publie, quand j'essaye de dénoncer un peu. La répression policière, la reconnaissance faciale et compagnie et compagnie. Il y a déjà des gens qui sont dans leur optique, qui acceptent de perdre de leur liberté pour avoir plus de sécurité. On a des gens qui ont accepté de justement s'injecter, encore une fois, je reviens au Covid, un produit expérimental au nom de la sécurité. N'oubliez pas. Ouais. 2025-2030, les gars, la pente là, ça va dévaler sec. Alors à chaque fois que je dis ça, à chaque fois que les survivalistes, tout le monde se foutait de leur gueule, moi le premier, il y a 15 ans. Mais je peux vous garantir un truc, les mecs, hein. Prenez bien 30 ou 40 boîtes de sardines et de thon, en plus, ça peut servir. C'est potentiellement, ça servira. Et je vous dis, les 5 prochaines années qu'on va vivre, là, de 2025 à 2030, accrochez vos ceintures, ça va secouer. Je vous laisse sur ces paroles. Bonne nuit à Mais tous. moi aussi, je vous laisse. L'homme masqué, au plaisir. Voilà, À bientôt, bientôt, ça va, y a pas frérot. de problème. Allah fixe. Hafizoun. Salam alaikum, mon frérot 94. Ciao, les frères. Bye, À bye. bientôt, frérot. Je vais juste dire un dernier truc, parce que ce que tu es en train de dire là, Ouais. il y a des hadiths qui parlent de tiers d'humanité, ils vont périr par les épidémies et les guerres. Bah, tu vois, dans une case, voilà. On ne peut pas, voilà, on fait tout pour nous ramener à une étiquette. Voilà. Tu manifestes tes gilets jaunes, tu manifestes tes syndicats, tu fais partie de la gauche, la droite. Après, il y a les religions, après, il y a les origines, après, il y a les cultures, et il y a les couleurs de peau, il y a jusqu'à ta sexualité, tu vois, jusqu'à la sexualité. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'autre, il fait ci, il fait ça? Tant que c'est dans le privé, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, même ça, c'est devenu quelque chose de public sur lequel on se fout des étiquettes. Et c'est ça qui, c'est pour ça que moi je me dis, l'heure est à l'union et la seule solution qu'on a, c'est l'union. Parce qu'ils font tout pour nous diviser. C'est qu'à mon avis, il y a quelque chose qui leur fait peur dans cette union. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ils se battraient pas pour ça. Ils s'en foutraient qu'on soit unis. D'ailleurs, ils nous mettraient en avant. Ils mettraient des comptes comme le mien en avant. Ils mettraient des comptes, tu vois? Mais ils le font pas, frérot. Et ils les combattent carrément. Moi, je suis signalé, je suis censuré, un truc de ouf sur les réseaux. Encore tout à l'heure, j'ai fait un live, il a sauté. Tous les soirs, il saute mes lives. Tu vois? Je reçois des centaines de menaces de mort, frérot. Comment tu estimes? Comment ça se fait que. Putain, moi, dans mon discours, j'ai jamais dit on va faire la guerre à lui, truc, truc. Moi, mon discours, ça a toujours été de dire j'espère Les gens qu'on de va se bien, ils battre sont pour le vivre mauvais. Les ensemble, gens pour qu'on puisse être tous unis. qui sont Comment tu mauvais, ils expliques qu'on sont arrive à corrompus. menacer de mort un mec qui C'est dit ça? n'importe quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on arrive à un stade. Voilà, la solution, elle est là. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a 1 million de solutions. Mais si on n'est pas unis, on ne pourra pas les appliquer. On sera foutu d'avance. C'est. Avec le Covid, là, les gens qui se tapaient pour un pot de Nutella, faudra quitter les villes, faut lire là sur la plaque caverne. Et on sait qu'on ne pourra pas quitter la France. Parce qu'ils vont fermer les frontières. Bien Le sûr. seul moyen d'un truc, c'est les montagnes. Pourquoi je te dis les montagnes? Parce que là-bas, il y a de l'eau, il y a des animaux. Et c'est grand, c'est vaste. Tu ne peux pas t'aller te chercher dans des endroits comme ça. Ils vont Mais attaquer pas dans les villes. Dont après, tu sais, l'opération frérot, russe. regarde, je te donne, là, je vais. Vas-y. Ouais, non, il n'y a pas de souci, mais après, tu sais, je suis d'accord avec toi, hein, mais après, il faut le pouvoir. Voilà, c'est-à-dire que moi, je te donne mon exemple personnellement. Je suis marié, j'ai des enfants, j'habite en banlieue parisienne. Là, demain, ça pète. Je te dis la vérité, là, demain, bam, ça pète. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va prendre sa bagnole, tout le monde va vouloir s'enfuir. Il y en a qui vont partir à pied, d'autres en voiture, d'autres en nanana. Et dans le concret, ça va être la merde. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas si j'aurai le temps
de faire quoi que ce soit. L'homme masqué, il y aura des signaux. Parce que tu as vu, à chaque fois qu'il annonçait un confinement ou quelque chose, il laissait un week-end, il donnait un délai. Parce qu'ils ne peuvent pas employer autant de personnes comme ça, d'un seul coup. Ils font un délai pour employer tout le personnel, pour clôturer toutes les villes. Oui, bien sûr. Donc, il y aura un signaux avant. Sauf que les gens, ils vont faire « Oh, c'est comme le Covid. Ah, ouais, bon, d'accord. » Mais en fait, ça ne va pas être comme le Covid. Ils ont préparé un plan. Et c'est pour ça qu'ils ont fait tous ces tests. Je me rappelle du ministre allemand, il a dit quoi? Le Covid, c'était un test. Ah oui, non, mais bien sûr que c'était un test. Sauf qu'il était hardcore, le test. Moi, je me rappelle cette période-là, frérot, en tant que non-vacciné. Mais si je te raconte ma vie, frérot, tu vas comprendre pourquoi je m'appelle l'homme masqué, pourquoi je suis déterminé depuis plus de 7 ans maintenant. Tu vas le comprendre, frérot. J'ai vécu des dingueries. Et il y a des millions de personnes qui ont vécu des dingueries. Mais c'est ça qui fait flipper aussi. C'est tu te dis, si ça, c'était le test, ça va être quoi le projet final? Tu vois ce que je veux dire? Comme on dit, il y a un proverbe chinois qui dit force, face à la force du dragon, le renard est ruse. Faut être rusé. Ben, c'est ça. Putain, mais l'autre, regarde ce qu'il dit dans les commentaires. Je pense que l'homme masqué doit être fiché S pour avoir une idéologie comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Moi, je suis fiché DZ. Ouais. Ouais, je suis fiché triple S, ça se trouve. Ça fait pas de moi un mauvais, frérot. Mais regarde, parce que tu vois, il veut me lancer sur un terrain, mais on peut en parler, frérot. T'es au courant qu'aujourd'hui, dans les fichiers S, il y a des écologistes. Il y a des manifestants et des écologistes. Des gens qui, tu vois, qui sont là pour la planète. Qui sont fichés S, frère. Donc, je sais pas, à un moment donné, et puis même, fous-moi la paix. Et puis tout à l'heure, l'homme masqué, wesh, on a un sujet, on aborde un sujet. Essaye d'égayer les propos et arrête de faire un focus sur moi. En plus, le petit, c'est quoi le pire, mon frérot? C'est qu'il est abonné à moi, ce mec-là. C'est un de mes abonnés. C'est pas un truc de fou. Et tu dis certaines vérités, hein. Quand tu tapes dans le mille, dans des choses, dans des sujets, ils ont raf, ils ont peur. Ah, mais je te jure, franchement, si tu voyais la gueule. Ils se sentent concernés, hein, quand tu parles. Ah, mais oui. Si tu voyais la gueule de mes messages privés, même là, je peux vous en montrer quelques-uns. Franchement, vous pétez votre tête, hein. J'ai eu le droit à toutes les menaces, les insultes, les étiquettes. C'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais d'étiquettes. Moi, on me fait passer pour un mec de gauche. J'ai des gens qui me font passer pour des mecs de droite. On me fait passer pour un truc. On me fait passer pour un raciste. On m'a fait passer pour un... J'ai eu le droit à toutes les étiquettes. Si j'écoutais les gens, j'ai même plus d'identité à moi-même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pour ça. Moi, tu sais ce qui fait ma force.